Salut à tous, c'est Den. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier car le nombre d'abonnés a juste explosé. C'est assez impressionnant de voir comment on monte et franchement, je m'y attendais vraiment pas. Donc, on est en train de monter chaque jour. Sachez que cette vidéo, quand elle va sortir, normalement, sera mercredi et le concours arrivera soit vendredi soir, soit dans le week-end. Donc, le résultat concours, normalement, va vous faire plaisir, je pense. En tout cas, soyez là, je compte sur vous, les amis. Et merci à tous ceux qui pensent chaque jour à partager la chaîne, qui font vraiment monter le projet, et je vous remercie. Donc n'hésitez pas à partager à chacune des vidéos, de dire tiens, on va voir cette vidéo, il a fait ça, il a fait ci, et donc aujourd'hui on va pas parler plus de ça. Cette vidéo, encore une fois, je vais l'envoyer à des chaînes communautaires. J'y remercie. Si elle m'upload, ça me fera toujours plaisir et m'aidera encore plus dans la montée de cette chaîne. Aujourd'hui, je retrouve avec un top particulier, un top qui, genre, vraiment va vous faire sourire, je pense, parce que vous avez tous, normalement, un âge où vous êtes soit au collège, soit au lycée. Pour ma part, je suis au lycée en dernière année de lycée. Du coup, j'ai encore ce système de notation. Alors, vous avez certainement eu des copies assez désastreuses, hein, on l'a tous eu, par exemple la dictée, je pense par exemple à la dictée. Pour ceux qui sont bons en français, eh bien je pense à la physique, parce que moi parfaitement je me débrouille beaucoup mieux en français, mais j'arrivais, parce que maintenant je me suis amélioré en orthographe quand même, mais j'arrivais à avoir des bonnes notes en français, et à l'inverse la physique, bah c'était un peu catastrophique, c'était violent. Voilà. Mais heureusement que j'avais pas des profs comme ça, parce que je pense que malgré que ces petites annotations là vont nous faire rire, je pense que quand tu les reçois, ça peut faire mal quand même. Ça peut être interprété de manière différente. Donc la première, c'est tout simplement un 0,5 sur 20. Donc vous voyez la copie, l'élève a simplement présenté sa feuille et mis le titre du sujet. Et du coup, le prof, en mettant la note, lui a mis à côté pour la feuille et l'encre. Donc le 0,5, on comprend que c'est simplement parce qu'il a fait l'effort de présenter sa feuille et de mettre un petit peu d'encre. Du coup, voilà, ça économise un peu tout ce qui a été payé pour la feuille. J'ai trouvé ça quand même assez drôle, franchement. D'un côté, c'est bien tenté du prof, parce que bon, faut oser le mettre quand même, parce qu'après, c'est les parents qui voient peut-être la feuille aussi. Malgré qu'une note comme ça, bon, hein, y a certaines personnes qui vont préférer la cacher. Ensuite, on arrive avec un 12,5 sur 20, pardon. Un 12,5 sur 20, et ça a l'air d'être quelque chose d'exceptionnel, puisque le prof a quand même mis champagne à côté. Franchement, c'est quand même drôle de voir que le prof est enthousiaste à ce point, et se fout de la gueule de l'élève également. Alors ensuite, je sais pas, pour ceux qui ont passé le bac, moi je sais que j'ai passé mon bac de français, de sciences, et voilà, de mon TPE l'année dernière, et évidemment, on a eu des feuilles à remplir. Les feuilles de bac avec les numéros et tout ça, c'est juste infâme, t'as l'impression que c'est super dur à remplir. En fait, en soi c'est simple, mais faut juste arriver à comprendre quand même. Et bien là, sur un simple devoir, nous avons une certaine personne qui a du mal à viser les bonnes cases pour nom, prénom, date et classe, et qui va juste tout inverser, et le prof va lui mettre « c'est le plus difficile dans ton devoir ». Donc, enfin, dans un devoir en général. Donc j'ai trouvé ça assez drôle que le prof, voilà, ose le mettre à nouveau, et franchement, voilà, félicitations au prof, parce que c'est cool, parce que bon, l'élève est un peu... Bah, soit il l'a fait exprès, soit il est un peu con au final, parce que bon, pour rater ce point-là, voilà, c'est un peu triste quand même. Et on va enchaîner avec l'avant-dernière qui est celle que vous avez vue en miniature, que j'ai trouvé vraiment excellente. Le mec a dû vraiment se donner du mal à tout faire, se tape un 0,25, et le prof lui met courage, tu vois, dans courage, tu vois, tu divises ta coup d'un côté et ta rage de l'autre, tu vois, genre tu sens que déjà, il y a un petit souci, il y a un petit souci, mais en tout cas, voilà, bon, bah, bon courage en tout cas, celui qui a eu cette note, tu as tout mon soutien. Et on va finir avec un 4 sur 20, où le prof, un peu similaire à l'une des premières qu'on a eues, 2 points pour l'écriture et 2 points pour la feuille, donc elle est déjà plus généreuse, ce prof est déjà plus généreux, et vous voyez le trait de la règle où il y a une bosse, et le prof lui dit de tout simplement de penser à retirer son doigt lorsqu'il fait un trait à la règle. Je pense que ça nous est tous arrivé, on se reconnaît tous là-dessus. Et c'est assez drôle que le prof le mette à nouveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui change, qui je pense est assez originale au niveau du contenu proposé, malgré que ça reste un format top 5. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées. Keops m'en a proposé, ça arrivera très prochainement pour le rassurer. Et moi, je vous dis à la prochaine.